Good morning, family in America and all Bonjour, over the world. Famille et toute l'Amérique. Mon nom, c'est Diane Hack. Je serai votre maître de cérémonie pour les 10 prochains jours. Donc, pour commencer, nous allons offrir notre reverence à vos parents. Donc maintenant, j'aimerais inviter M. Mihan pour nous conduire à la promesse de famille. Thank you, Reverend Milhan. And merci, Reverend Milhan. Et pour la prière d'ouverture, j'aimerais inviter Benjamin Hack. Please unmute yourself. Thank you. Thank you for this opportunity. Good morning, Heavenly Parents. Good morning, our true parents. Good morning, our brothers and sisters from all over the world gathering here in the community. Everyone sharing their hearts and minds to really accomplish your will, God. Heavenly Father, I hope and pray that through our wonderful elder brother, Dr. Young, everybody's hearts could be opened, that something could really move them so they could really do your will, including myself. And I pray all this in the all blessed families here in my blessed family, Benjamin Hack, the Hack Central blessed family, adieu. Thank you, Benjamin Hack. Thank you, Diane Hack. Thank you. Thank you so much, Uncle Benjamin. Actually, we're not even related. It's funny. Donc, merci vraiment beaucoup. Thank you for sharing. And yeah. Now it's time to go into our breakout rooms. And yeah, maintenant, c'est le temps d'aller dans nos chambres pour partager nos réflexions et surtout nos gratitudes.
Welcome back, everyone. Thank you for sharing. Bon retour tout le monde. Merci pour vos partages. Mais pour aujourd'hui, nous voulons inviter les Amikachi, le couple Amikachi, venez partager. Please unmute yourself. Oh. Hi, good morning, everybody. Bonjour, tout le monde. Yeah. Our appreciation. Notre gratitude et appréciation. C'est cette dévotion matinale. So much practical guidance. Donc les guidances pratiques et sont vraiment très importantes et sont capables de reconnaître qu'il y a certains points qui ont contribué au changement de notre vie. Et surtout, nous avons vécu des situations de conflit dans la famille, entre les frères et sœurs, lorsque j'ai trouvé le moyen de voir les gens, de rencontrer les gens, ça a changé mon attitude et tout a changé complètement. Donc, c'est comme si naturellement je suis entré dans une nouvelle dimension et j'apprécie tout cela. Et donc, donc ça c'est en japonais, c'est depuis longtemps, donc il est rentré dans ma réflexion, que donc ça c'est mon point faible, je n'ai pas pu. Donc, j'ai pu dire que Dr. Yon, ce n'est pas un être humain, mais c'est Dieu. Yeah. Merci, Dr. Yon. Bonjour. Donc, je suis très content que tous les deux nous avons l'opportunité d'être là dans la dévotion matinale. Donc, donc, merci vraiment pour ta guidance intérieure et vraiment, nous sommes très reconnaissants. Donc, donne-moi ta face une seule seconde. Enlève ton masque. Donc, j'ai un problème de dents. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Beau couple. Et malheureusement, on peut voir ta face à cause de la dent. Donc, nous voulons inviter Justin Thierry qui peut partager. Hi, good morning, Dr. Young. Donc, morning. Yes, bonjour, Dr. Young et Justin. Merci. Wow. Yeah, this morning I said that I'm really grateful. Donc, ce matin, je voudrais être très reconnaissant d'être en vie. Donc, une bénédiction incroyable d'être ici. Je suis très reconnaissant pour les guidances que nous recevons chaque jour qui nous transforment. Donc, sinon, où est-ce que nous serions si nous ne recevions pas ces guidances? Donc, il n'y a pas moyen que nous puissions vraiment subir cette transformation-là. Donc, merci parce que nous pouvons voir les frères et sœurs qui travaillent de façon consistante pour beaucoup d'années. Donc, je n'ai pas pu visiter les églises
mais c'était très difficile pour moi. Donc, je me suis simplement dit, OK, je vais dire adieu. Je ne sais pas ce que je peux faire, s'il te plaît. Donc, j'aimerais faire tout ce que tu voudrais que je puisse faire. Donc, parce que ceux-là qui ont travaillé dur et sont persistants, nous pouvons avoir tous ces clergés et pasteurs et avec cette cérémonie qui venait d'avoir lieu, nous sommes tellement très remerciants pour tous ceux-là qui se sont investis et qui ont été consistamment en contact avec les pasteurs, faire des efforts, même s'ils n'aimaient pas cela, mais ils l'ont pu le faire. Donc, ma prière, c'est que cette nation puisse recevoir notre mère comme cela n'a jamais eu par le passé. Je n'ai pas. Ça, c'est ma prière et mon appréciation pour tous les leaders qui ont travaillé très dur et qui permettent que notre mère puisse être accueillie. Merci pour toi, Dr. Young, que tu, tout un chacun, connaît que tu es un envoyé de Dieu et pour redonner naissance à nos familles. Merci, merci, Justin. Et merci. Merci pour ton partage merveilleux. Merci. Merci, Justin. Merci pour le partage. Et le temps maintenant, c'est de pouvoir recevoir Dr. Young, notre leader régional. Bonjour. 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 Guten Morgen. Salam apagi. Dobraye utra. Peace. Salam. Salam aleikum. Magandangu magapo. Sayonyo lahat. Sawadikap. Namaste. Chers frères et sœurs, clergé, ministre et ambassadeur de paix, bonjour. Donc, je suis encore à Las Vegas et hier, j'ai parlé de qui est Dr. Hammoud. Donc, c'était la série, première série, et aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de qui est Dr. Hammoud, donc deuxième série. Je pense qu'aujourd'hui, le point est très important. Donc, comment notre Père a décrit la personnalité de notre Mère? Donc, des paroles très incroyables de votre parent, de notre père. Donc, j'aimerais, nous devons savoir de façon claire qui est notre mère. Nous devons comprendre de façon claire son identité. Non, nous ne devons pas simplement parce que notre mère est la femme du Messie. Donc, ce n'est pas le concept normal que nous devons avoir. Donc, quel est le point de vue de Dieu au sujet de notre mère? Donc, quel est le point de vue vraiment de notre mère? Et nous devons le savoir de façon providentielle, centré sur le point de vue de Dieu et surtout centré sur le principe. Et là, nous pouvons bâtir une bonne relation entre moi-même et notre mère. Sans comprendre ça de façon claire, son identité et sa situation et sa position. Donc, parfois, quand nous faisons face à des difficultés et nous comprenons très mal
et nous la traitons comme tout autre être humain. Donc, c'est comme ça que Jésus a été traité 2000 ans. Non, il est venu comme un sauveur, comme le Messie. Cependant, combien de gens à l'époque ont pu reconnaître la position de Jésus avant la crucifixion? Bien que beaucoup d'entre eux ont pu confesser Jésus était le Messie, cependant, lorsqu'ils faisaient face à certaines difficultés, des persécutions, et beaucoup de gens insultaient Jésus, et qu'ils ont poussé Jésus à aller à la croix, une destinée très difficile, Pierre avait confessé Jésus comme le Messie, cependant. Pourquoi il a trahi, il avait trahi Jésus? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu comprendre Jésus de façon principe. Donc, il n'a pas pu expérimenter la substance même de Jésus. Donc, c'est pour cette raison que quand Jésus faisait les miracles, beaucoup ont pu guérir et ils l'ont suivi. Mais quand Jésus a eu des sérieux problèmes et qu'il était dans une situation très critique, donc tout le monde l'a fui. Alors, lorsque nous parlons de notre mère et de notre père, donc nous avons de façon principale le principe le comprendre, mais aussi sur le plan du cœur, nous devons le connaître. Qui est le monde? Qui est notre mère, qui est notre père. Donc, vous devez connaître la vérité de notre soi. Donc, ça, c'est le secret pour réaliser le Chonin Book et ainsi apporter et assurer la victoire. Donc, si les 12 disciples de Jésus et les 72 et 120, s'ils avaient vraiment compris, c'est-à-dire avant la crucifixion de Jésus, qu'il était le Messie, donc qu'il était le Seigneur, le Sauveur, le Fils unique de Dieu. Donc, ils devraient transcender toute peur. Ils pouvaient transcender toute situation. Ils pouvaient mourir pour Jésus. Ils pouvaient mourir avant Jésus. Donc, c'est pour cette raison que notre compréhension est très importante. Donc, lorsque les disciples de Jésus se sont éparpillés, donc, après sa résurrection, il les a rappelés et il l'a rassemblé. Donc, personne n'a pu le nier à ce moment-là que Jésus était le Messie à travers le Saint-Esprit. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout un chacun avait repenti et ils avaient expérimenté la Pentecôte. Et puis, c'était le point de départ. Comment le mouvement chrétien s'est développé et a continué. Donc, ils n'avaient plus peur des persécutions et ils n'avaient plus peur. Tout un chacun qui est possédé par le Saint-Esprit et qui avait reconnu Jésus comme le Messie, avec une telle conviction, ils avaient surmonté la peur. Et ils avaient surmonté la mort. Ils avaient surmonté la persécution. C'est pour cette raison que l'expérience est très importante. C'est avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement intellectuel, on comprend intellectuellement. Donc, si nous comprenons seulement intellectuellement, donc, à tout moment, nous pouvons prendre votre chemin à vous. Et c'est pour cette raison que l'expérience du Saint-Esprit et puis comprendre le cœur sont très importants. C'est pour cette raison que lorsque nous comprenons de façon, comprenons la position de notre mère, donc ça c'est le secret pour réaliser le Chonin Book.
et apporter nos victoires à Dieu. Alors, avant que Jésus ne meure, si les gens comprenaient qui Jésus était, qu'il était le Messie, alors qu'est-ce qui se passerait? Donc, tout genre de miracle pourrait se produire. Et s'ils avaient déjà cette conviction et témoigné qu'il était le Messie, et même Jean-Baptiste, s'il avait confessé et s'il avait reconnu et qu'il était rentré, donc on pourrait voir la réalité. Mon Dieu. Donc, reconnaître cette vérité historique, et c'est un court chemin pour vraiment restaurer notre famille. Donc, notre mère est venue comme la fille unique de Dieu après 6000 ans. Donc, c'est elle qui est venue pour diriger l'humanité tout entière. Donc, si vous connaissez sa position, qu'elle ne reviendra plus jamais. Donc, c'est un point historique et nous pouvons nous unir nos familles, nos nations et l'histoire et tout le monde physique et le monde spirituel. Et là, nous serons à même d'établir les familles célestes, les nations célestes et le monde céleste. Et si c'est fait, alors, donc, comme mon message, le titre vient, quelle est l'identité de notre vraie mère? Donc, j'aimerais parler des 10 aspects de son identité. Heavenly Honey, s'il te plaît, pour lire pour moi. Qui est notre vraie mère? Donc, d'abord, donc, la fille unique que le ciel a envoyée après 6000 ans. Alors, donc, s'il vous plaît, que tout en chacun prêtez votre oreille, vous devez comprendre et que vous devez comprendre comment notre Père décrit la position de notre mère. Si Jésus, que Dieu avait envoyé sur la terre en tant que fils unique, n'était pas mort, Dieu aurait envoyé la fille unique. L'histoire de Dieu qui a fait 2000 ans a été l'histoire de la recherche de l'épouse. Ah, mon Dieu. Donc, de façon biblique, nous parlons de 2000 ans, l'histoire de 2000 ans. Si, depuis la chute d'Adam et Ève, il a pris 2000 ans pour envoyer Jésus en tant que Seigneur. Donc, c'est pendant 4000 ans, il avait préparé pour envoyer son fils. Donc, il avait préparé pour envoyer son fils unique, c'est ça? Et à ce moment, Dieu aussi préparait aussi la venue de la fille unique de Dieu. Cependant, donc Jésus n'a pas pu la rencontrer. Il n'a pas pu se marier. Vous vous imaginez cela? Donc, déjà, Dieu avait établi un fondement. 4000 ans, il avait établi le fondement pour le Messie. Donc, juste après la cérémonie de bénédiction de vos parents, donc, notre Père a parlé de la fille unique de Dieu le 11 octobre 1959. Donc, c'était avant leur mariage. Donc, c'était 07303. Donc, si Jésus, que Dieu avait envoyé, et était envoyé comme fils unique de Dieu, s'il n'était pas mort, notre Dieu aurait envoyé la fille unique de Dieu.
Donc, dans les 2000 ans de l'histoire, était de pouvoir trouver le fondement pour la fille unique de Dieu et établir le fondement pour le Messie. Dans les deux dernières années, était une période pour rechercher l'épouse. Donc, quel est le but de l'histoire chrétienne? C'était juste une raison, rechercher l'épouse. Donc, Dieu avait déjà établi le fondement pour le Messie, déjà. Donc, il avait déjà préparé pour la seconde venue. Le problème, c'est comment établir le fondement pour l'épouse. Pouvez-vous imaginer cela? Parce que cela ne s'est pas réalisé il y a cela 2000 ans. C'est pour ces raisons que l'histoire chrétienne, c'est l'histoire de rechercher l'épouse. Donc, les paroles de Frère Père ici sont très claires. Il dit que l'histoire de Dieu qui a fait 2000 ans a été l'histoire de la recherche de l'épouse, la fille unique de Dieu, donc qui va se tenir dans la position de l'épouse. Notre mère n'est pas la seconde venue. Elle est la première, le premier avènement. Donc, Dieu a déjà établi le fondement pour le Fils unique de Dieu il y a 2000 ans. Donc, ce qui reste, c'est le fondement pour la fille unique de Dieu. Donc, vous devez le savoir. Notre Père, quelle est la différence entre notre Père et notre Père? Donc, notre Père est la seconde venue. Donc, notre Mère est la première venue. Donc, c'est le premier avènement. Il y a cette différence. Vous devez comprendre ce point. Donc, cela a pris 6000 ans pour envoyer la fille unique de Dieu. Donc, 6000 ans. Donc, combien précieuse notre mère est? Donc, vous savez, la création de Dieu. Donc, comment la création de Dieu se complète? Donc, quelle est la création finale de Dieu? Il a créé l'environnement d'abord. Après, il a créé Adam. Et après, donc, la finalité, c'est laquelle? C'est la création de Ève. Quand Dieu a créé, notre Père a créé Ève, il avait achevé sa création. La même chose. Comment complète la provenance de Dieu? Donc cela se complète à travers la fille unique de Dieu. Donc c'est pour 16 ans que notre mère, elle est la première venue. Donc, elle doit réaliser toute la providence. Elle doit compléter toute la providence. Notre Père, elle a complété sa création à travers la création de Ève. Et la restauration doit être complète à travers la femme. Donc, la fille unique de Dieu qui est notre vraie mère. Pouvez-vous imaginer combien merveilleux cela est? J'aimerais remercier le parent céleste. Vous savez pourquoi? Si notre père avait trouvé son épouse et qui avait le même âge, et en ce moment, donc, qu'elle sera à plus de 100 ans. Pouvez-vous imaginer cela?
C'est vraiment, je regrette que comment je peux dire comment intelligent tu es. Donc, 18 ans, plus de 20 ans, pouvez-vous imaginer cela? Donc, sinon, notre mère serait déjà aussi à plus de 100 ans. Et comment peut-elle achever cela à cet âge? Oh, God. C'est le maître de la sagesse. Dieu est vraiment, c'est incroyable. Donc, notre mère est la première personne qui devait accomplir. Donc, notre mère est venue sur terre comme une personne parfaite en tant que fille unique de Dieu. Wow. Non, c'est incroyable. Vous voyez ça? Okay, could you read? This is also very important content. Donc, vous pouvez lire. Le Seigneur de retour vient pour trouver la mère de l'humanité. En d'autres termes, il vient retrouver sa fiancée. Le Seigneur, qui est l'époux, ne cherche pas une épouse dans le royaume déchu. Il est à la recherche de la femme qui est née de la lignée pure et infaillible. Alors, sur quel genre de fondement une telle mariée, une telle mère aurait-elle besoin d'être née? Et doit y avoir une mère qui, en tant que vierge sans lien avec le péché, peut se tenir dans la position de la vraie mère? Wow, incroyable. Donc, cela a été dit en octobre 1979. Il dit, le Seigneur de retour vient pour trouver la mère de l'humanité. En d'autres termes, il vient retrouver sa fiancée. Le Seigneur qui est l'époux ne cherche pas une épouse dans le royaume déchu. Ça veut dire quoi? Donc, elle doit être envoyée par Dieu lui-même. Il ne peut pas trouver non, l'épouse. Dieu cherche une femme qui est née du monde non déchu. Qui est son lignage? Vous devez savoir cela. Notre père a dit, notre mère doit venir d'un lignage qui n'est pas déchu. Elle doit apparaître d'un lignage pur. Sur quel fondement donc que une telle mariée doit être née? Notre père a dit clairement, donc, ça doit être une femme qui est vierge, qui n'a aucun trait avec le péché. Donc, notre mère ne doit avoir aucune relation avec le péché. Elle ne doit pas venir de ce monde séculier. Donc, si vous regardez l'arrière de notre mère, c'est la fille unique. Un centuple sur trois générations de filles uniques. Donc, c'est un lien de sang de vierge, pas de connexion avec le péché. Donc, elle se tient dans la position de vraie mère. An incredible statement by c'est une déclaration qui vient de notre Père. Donc, le Seigneur de ce court avènement, sa mission est de retrouver la fille unique de Dieu, notre mère. Sans notre mère, comment accomplir la volonté de Dieu? Sans le Père, comment accomplir la volonté de Dieu? Père et mère, c'est la même chose. Ils sont au même pied d'égalité.
Ils ont la même qualité. Ils ont la même autorité. Ils ont la même dignité. Ils ont la même position. Vous pensez, vous croyez seulement à notre Père. Vous pensez que notre Père, notre Mère est juste. Dieu a créé l'homme et la femme en tant que fils unique et fille unique de Dieu. Là où il y a le fils unique, il doit y avoir la fille unique aussi. Suis-je, dis la vérité? Donc lorsque notre mère proclame, qu'est-ce qui est faux dans la déclaration de notre mère? Donc même nos familles bénies, aînées, ne comprennent pas qu'est-ce que le principe divin. Nous devons comprendre le principe divin. Notre Père a dit que la mission principale du Seigneur de second avènement, c'est de rechercher la mère de l'humanité. Comment la providence de Dieu peut aller de l'avant? L'homme seul ne peut rien faire. Adam et Ève ont chuté en tant que couple. Donc, on doit restaurer le couple à travers la fille, le fils unique et la fille unique de Dieu. Ainsi, donc, la fille unique de Dieu vient comme la mère de l'humanité. Elle doit naître d'un lignage qui n'est pas déchu. Cet individu doit devenir la mère. Doit avoir aucune connexion avec le péché. Où est-ce que nous pouvons voir une déclaration saine de la fille unique de Dieu? Notre Père a clairement parlé de ça. Cette déclaration est claire. Lorsque notre mère change de style, les gens disent notre mère a changé. Do you think mother cannot change? Vous pensez que notre mère ne peut pas changer? Mother can change. Mother also can change. Notre père peut changer, notre mère ne peut pas changer. What? Same equal notre mère peut renouveler. C'est à sa position de responsabilité. Ce que notre mère en train de faire, nous devons comprendre. You know, mother always respect father. Notre mère respecte notre père. Already show her attendance of the father. Elle a montré son service envers notre père pendant les 50 dernières années. Donc, elle a servi notre mère et notre père pendant 1000 jours. Qui peut faire cela? Elle a servi notre père pendant 1000 jours. Nous ne pouvons pas simplement penser n'importe comment la position de notre mère. Peux-tu lire? Pour la première fois en 6000 ans, je suis né en tant que fille unique. Bien que j'ai eu des parents qui m'ont donné naissance, j'ai été élevé en connaissant Dieu comme mon père. Dieu est mon père. Tout au long de l'humanité, Jésus qui est venu il y a 2000 ans, et moi, sommes ceux qui sont nés en connaissant Dieu comme notre Père. Notre Père, notre Mère révèle
comme la proclamation devant le ciel et la terre. Dans, au mois de mars 2017, j'étais né en tant que fille unique. Elle a proclamé elle-même. Ça ne doit pas être déclaré par quelqu'un d'autre. Il y a 2000 ans, Jésus a déclaré, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis le seul chemin. Je suis la vie. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu sans passer par moi. Je suis le Messie. Donc, il est devenu comme le Messie. Donc, il doit déclarer qu'il est Messie. Notre mère est devenue sur terre et elle doit déclarer que je suis la fille unique de Dieu. Qui d'autre peut le faire? Si vous dites que je suis seulement le fils unique ou la fille unique de Dieu, comment est-ce qu'on peut avancer? Qui peut reconnaître? Notre mère a clairement expliqué son identité. Mes frères et sœurs unificationnistes, tous frères et sœurs de l'humanité, nous devons savoir clairement que je suis venu en tant que fille unique de Dieu. Je suis celui-là qui doit compléter la providence de Dieu. C'est clair. Donc, même si elle est devenue fille unique de Dieu, qu'est-ce qui est faux? Donc, notre Père a posé le fondement, notre Mère a déjà posé le fondement. Donc, par exemple, sur le fondement de notre Père, notre Mère ne pouvait rien proclamer. I was raised knowing God as my father. Notre mère dit que j'ai été élevé connaissant Dieu comme mon père. Throughout all of humankind, donc tout au long de l'histoire de l'humanité, Jésus qui est venu 2000 ans, il dit que je suis celui-là qui est né en connaissant Dieu. This is a really, really remarkable. Ça, c'est très remarquable. Ça, c'est une révélation historique. Les cieux et les terres ont travaillé pour cet événement. Tu peux lire. Je suis différente de vous. J'étais différent depuis la naissance. Avant la chute d'Adam et Ève, ils pouvaient communiquer avec Dieu. S'ils avaient des questions, il recevait les réponses. Je suis né et comme la fille de Dieu, sans péché originel. C'est pourquoi, même sans que personne m'enseigne, je connais le chemin que je dois suivre. Si elle n'est pas fille unique, elle ne peut pas dire cela. In October of the 2017, she also stated donc, the following. The October, the 25 October 1917. From foreign background, I am not. Non, je ne suis pas né d'un background de chute. Before Adam and Eve fell, they could communicate with God. Donc avant qu'Adam et Eve ne chute, ils pouvaient communiquer directement avec Dieu. Donc je suis né comme fille de Dieu sans péché originel. Donc c'est pour cela que même si personne ne m'enseigne, je connais le chemin que je dois suivre. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons su que notre mère vient de notre Père Céleste, que notre parent céleste a tellement attendu depuis 6000 ans, n'est autre que la fille unique de Dieu. Ainsi, si elle avait vécu sa vie en servant le vrai notre Père céleste, donc nous sommes les plus bénis de tous les gens
qui sont venus avant nous dans l'histoire de 6000 ans d'histoire. Donc, tous les gens qui vont venir après nous, vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous devons comprendre avec toute notre gratitude notre Parent Céleste Jésus, notre vrai Père, qui a travaillé tellement dans l'histoire à la recherche de la fille unique. Adieu. Deuxièmement, qui est la vraie mère, Abjahanmo. Elle est venue comme le sauveur de l'humanité, le Seigneur de retour, le Messie, le vrai parent. Je te lis ceci. En août 1992, lors du banquet conjoint de célébration du premier festival mondial de la culture et du sport, le vrai père a déclaré: j'ai proclamé que ma femme, Hak Jahan, et moi sommes les vrais parents de l'humanité, les sauveurs, les seigneurs du retour et les messies. Wow. Ça, c'est une déclaration officielle en 1992 au banquet conjoint de célébration du premier festival mondial de la culture et du sport. Le vrai père a déclaré: j'ai proclamé que ma femme Hak Jahan et moi sommes les vrais parents de l'humanité, les sauveurs, les seigneurs du retour et les messies. Pas seulement notre père qui est le messie. Je me dérange avec beaucoup d'aînés dans l'église. Seulement notre père est le messie. Mais notre père a officiellement déclaré: Hak Jahan Moon et moi, nous deux, nous sommes les sauveurs, nous sommes le Seigneur du second avènement, nous sommes les messies. Notre père, notre mère n'est pas juste représentant de notre père, mais sommes les fils de Messie. Very clear. Très clairement. Okay. Another content. To become a true olive tree. Pour devenir un véritable olivier, il faut qu'il y ait un propriétaire. Ce propriétaire est le vrai parent. Cela signifie que vous ne pouvez pas aller au ciel sans passer par le vrai parent. Oui, c'est par l'intermédiaire des vrais parents que vous avez reçu la bénédiction. Vous avez pu recevoir la bénédiction parce que vous m'avez rencontré, la fille unique. Avez-vous vécu jusqu'à présent sans ressentir cela au plus profond de vos os? Merci. En 1907, elle a mentionné clairement: devenir un véritable olivier, il faut qu'il y ait un propriétaire. Ce propriétaire est le vrai parent. Cela signifie que vous ne pouvez pas aller au ciel sans passer par le vrai parent. Je suis la fille unique, je suis le sauveur, je suis le vrai parent. Oui. Et c'est par l'intermédiaire des vrais parents que vous avez reçu la bénédiction. Donc, à côté de notre mère, il y a notre père, toujours. Vous avez reçu la bénédiction parce que vous m'avez rencontré, la fille unique. Avez-vous vécu jusqu'à présent sans ressentir cela au plus profond de votre zoo? Combien profond vous comprenez mon identité?
qui je suis, qui suis-je? Pouvez-vous imaginer ça? Dieu a préparé notre vraiment en tant que la fille unique de Dieu. Cela lui a pris 6000 ans d'histoire. Et nous avons rencontré notre mère. Pouvez-vous imaginer? Dieu a préparé pendant 6000 ans d'histoire. Croyez en elle, unissez avec elle, ainsi nous pouvons faire n'importe quoi, nous allons accomplir n'importe quoi. Rien n'est impossible. Quelle est notre responsabilité? Jésus a mentionné 2000 ans, croyez en moi. Je vous ai déjà montré. Quelle est notre part de responsabilité? Quelle est notre mission première? Nous devons nous unir à notre mère. C'est le seul moyen à travers lequel nous pouvons accomplir notre mission de la providence de Dieu. Ça, c'est la clé. C'est pour que notre mère nous demande de nous unir avec elle. Unissez-vous à moi. C'est le seul chemin. Vous pouvez accomplir votre mission. C'est le seul chemin. Vous pouvez établir le royaume de Dieu ici sur terre. Où lorsque les disciples de Jésus ont été unis avec nous, notre Père est parti, donc notre point focal, c'est notre mère. Donc, nous devons nous unir avec notre mère. Ça, c'est notre travail. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est notre direction? Nous devons nous unir à notre mère. Frères et sœurs, nous devons apprécier le sauveur de l'humanité, le Messie, le Seigneur, le vrai parent et notre mère. Adieu. Adieu. Merci. Adieu. Thank you, Dr. Young. Adieu. Merci, Dr. Young. Attends, je pense qu'on avait besoin de ceci. Surtout que notre mère vient ici en juin. C'est un bon moyen pour nous de proclamer notre mère comme la fille unique de Dieu. Donc, surtout qu'elle est la première fille de Dieu. Donc, soutenons notre mère. Et prions pour sa protection. Merci, Dr. Young. Donc maintenant, nous allons partir dans nos chambres de réflexion pour partager nos réflexions sur cette morning devotion. Je vous souhaite maintenant. Thank you.
Soyez les bienvenus. Merci de vos partages dans vos salles de partage. Dans la première réflexion, j'aimerais partager un petit point ce qu'on a partagé. Just like the presence of True Mother, this is like one takeaway that. Donc, c'est un point que j'ai pu comprendre dans cette présentation. Je me rappelle, en 2020, j'ai reçu la bénédiction. Notre couple était représentant et on a pris nos bagues devant les vrais parents. En ce moment, je pouvais ressentir la présence de Dieu profondément. C'était incroyable. Donc, je ne pense pas que je vais jamais oublier cette expérience, ce sentiment. Donc, ce n'est pas juste les paroles de notre mère,
Wow, it's like every time I think about it, I can re-feel what I felt. Chaque fois que je me rappelle de cela, je peux ressentir. It's just she embodies God's, you know, love and God's presence. Elle est l'incarnation de l'amour de Dieu. Like, at that moment, I felt like there's no way. Donc, en ce moment, j'ai pensé que notre mère est absolument la fille unique. Donc, elle est ce qu'elle dit qu'elle est. Donc, ce n'est pas à propos de sa présence, mais c'est comment elle incarnation de l'amour de Dieu. Donc, je voulais juste partager cela, parce que ce sentiment ne va jamais partir. Donc, soutenez notre mère et prions pour elle. Parce que ce n'est pas facile. C'était mon point de réflexion. Pour la deuxième personne, je vais inviter Kaneko-san. Yes. Hi. Yes. Yes. I'm. Yeah. Kaneko, not Kajisa. Yes, hi, yes, Kajisa. Oh, there's two. Kaneko, yeah. Kaneko. Kajisa, hi. Thank you. I'm a we Merci. Have the... Kaneko-san? Yeah, there's two. Kaneko. Thank you. Kaneko-san, go ahead. Please unmute yourself. Kaneko-san. Réactif. C'est le nom est similaire. It's really, yeah. Anyway, that I testified a few times, but I was chance to talk with Reverend Minohan. J'ai la chance à vous de parler avec les Ramiens. How hard two parents test, two mothers testified on self. De combien difficile le coup de notre mère. Nous avons un fondement solide. Jean-Baptiste peut testifier notre mère comme fille unique. Nous aurions dû poser ce fondement. On n'en a pas posé ce fondement, c'est pour cette raison qu'elle doit se proclamer. J'espère que un jour, notre mère reçoit ce message de notre père. Combien difficile est pour notre mère de se proclamer elle-même. And then after that, he has another foundation and testify that I'm Messiah through the true mother. Donc à travers la fédération de femmes, le fondement est posé. Only Dr. Young talking about like that. Donc il n'y a que Dr. Young qui parlait directement de notre mère. Je suis désolé de notre mère. I have still life here and even small step, you know, I wanted to become a true mother's representative to give that. Donc j'aimerais devenir la représentante de notre mère en ce moment. Testify to mother. Je dois témoigner de notre mère. Stand alone herself. It doesn't matter, you know. Ce n'est pas facile qu'elle soit seule. If it's no foundation, it's so difficult. But now, you know, all the members working at the OHSC and all the Christian ministers. Donc maintenant que les membres sont en train de travailler, they are foundation for the true mother. Il y a déjà un fondement pour notre mère. Idea should be more faster than make that kind of foundation. Donc notre travail peut aller de l'avant beaucoup plus rapidement maintenant. Donc, ça c'est ma réflexion. Merci, Dr. Young. Merci, Kaneko-san. Thank you, Kaneko-san, for sharing that. Merci de ce partage. Thank you for sharing. Merci de ton partage.
C'était beau. Thank you for Dr. Young for really showing us. Merci, Dr. Young. Really helping us to understand Chumada even more. En nous aidant de comprendre qui est vraiment notre mère. Donc, tu te rappelles, inviter quelqu'un pour expérimenter ce genre de relation du cœur à travers ce contenu. Donc, lorsque vous êtes connecté à travers le Zoom, vous avez une expérience extraordinaire, différente de l'expérience que vous avez sur le Facebook. Donc, soutenons Dr. Yang qui fait toujours l'effort d'être ici. Pour l'offrande musicale, j'ai oublié à propos des donations. S'il vous plaît, faites les donations pour cette dévotion matinale. Tout ce que peut venir de votre cœur, donc pour la musique. Rika and Kotone. Nous avons un couple, Rika et Kotone. Daryl Franklin. Oh, Gerald Franklin. Sorry. I'm sorry. Gerald Franklin. Je suis désolé. Share with us. Gerald Franklin. Désactive et pour partager. Can everyone hear me now? Ton offrande. Oh, yeah. Thank you. Est-ce que tout le monde peut me suivre? All right. Thank you so much. Okay. Merci beaucoup. Ça, c'est une bénédiction. Merci, Dr. Young. Je me rappelle quand Jésus était demandé, « Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus a dit, « Je suis, je le suis. » Et ça, c'était tout un point pour lui, prenant son point de vue. Ça, c'est un crime que l'humanité a commis contre Dieu. Prenant le messager de Dieu de leur point de vue. Donc, je te remercie beaucoup que nous puissions nous préparer afin d'embrasser notre mère et faire un témoignage du plus profond de notre cœur. Je vais offrir une chanson, La Restauration de Dieu. S'il vous plaît, réjouissez-vous. Such life is all the dreams
our father's desire. Prayers for days of happiness grow, gently tossed in the breeze. Our home eternal winter is a haven of joy. Here in such beauty divine, we shall always live. Such is a gift of the Lord, of heavenly land. Such is the gift of the Lord, God's eternal providence is the kingdom on earth. All that ever you wanted to see is to God in bloom. Here with of the heart, spread his glorious joy. Such is the glory to come, crowning the world. Such is the glory to come, crying out of the world. Wow, thank you so much. Merci beaucoup, Lenny Franklin. Je peux ressentir donc ta chanson est beaucoup plus du point de vue du cœur. Donc je ressens un cœur profond dans ta façon de chanter. Merci beaucoup. Thank you so much, Uncle Daryl, for sharing that. Merci, Oncle Daryl, pour cette jolie chanson. Vous avez vraiment investi votre cœur derrière cette chanson. Et pour la prière de clôture, je vais inviter David Portland. L'un d'entre vous, si quelqu'un peut clôturer dans la prière. Ok, please join me in prayer. All right. Father, thank you much for this day, Heavenly Father. Je te remercie pour cette journée. Merci pour nous guider chaque jour à travers Dr. Young. Je prie que nous puissions prendre ce message que ce message puisse nous pénétrer. Je prie que nous puissions hériter le cœur de notre mère et l'amour de Dieu et que nous puissions le partager. Merci d'être avec nous et que là, tout au long de cette journée, que nous puissions manifester le salut total. Merci d'être avec nous. Sois avec nous tout au long de la journée et je rapporte ceci à mon nom, famille bénie centrale. Adieu. Merci beaucoup. Ton nom c'est Chris? Yeah. You're David? Yeah. Yeah. Okay. Mon nom c'est David. Merci David. Et Chris? Où est-ce que vous vivez? All right. Thank you. Au Canada. Merci pour ta prière. Thank you, Chris and David, for sharing. Merci David pour ta prière. And yeah, it is time to close our morning devotion. Donc maintenant, nous allons clôturer notre dévotion maintenant. À nous revoir demain pour une autre dévotion matinale. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.